Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo découverte sur la map réserve. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, je suis en mode offline car le mode online buguait beaucoup trop. C'est carrément des pertes d'FPS énormes en fait, j'étais à 20-30 FPS au lieu de 120 ou 80 selon les autres maps. Et donc obligé de faire du offline. Car clairement, cette map est très mal optimisée, hein, on va pas se mentir. Ils l'ont fait et ils l'ont terminé à la pisse. Comme Shoreline d'ailleurs, hein, c'est du Shoreline.2, ça va être le titre de ma vidéo d'ailleurs, je pense. Donc je vais looter à moitié car ça va vraiment être plus une découverte et vous dire un peu ce que j'en pense en direct. Voilà. Donc c'est la deuxième fois que je joue à cette map. La première fois c'était en online, donc c'est là que je m'étais rendu compte que ça buguait énormément. Je voulais aussi tout de suite, avant que pour ceux qui n'ont pas le temps, vous dire ce que je pense des scavs dans le jeu que depuis cette mise à jour. C'est un grand coup de gueule. Attendez, tac la caméra. Voilà. C'est un grand coup de gueule que je passe aussi. Les scavs, c'est du n'importe quoi, clairement. Je sais qu'ils veulent rendre le jeu très hardcore, mais là, c'est même pas du hardcore, c'est du non-respect. Ça va trop loin, là. Les scavs ont tous un IM bot, un voilà qui te voit à travers les gros rochers. Je suis pas le seul à en penser, tout le monde le pense, bien sûr. Tout le monde pense exactement pareil, c'est over cheat, clairement c'est over cheat. Voilà, donc on va se balader un petit peu, on va prendre notre temps. J'ai mis des scavs à activer, donc il se peut qu'il y ait du fight, comme ça au moins vous verrez en direct ce que je pense et de ce qu'il en est. Alors, donc là on arrive sur un grand terrain vaste. Je sais qu'il y a des sous-terrains aussi qui sont pas mal. Donc clairement on voit qu'ils ont copié-collé des modules là on peut voir du custom. L'appareil, le checkpoint là-bas c'est du custom, hein. Ils n'ont pas réellement créé de nouvelles textures, ils ont vraiment copié-collé. Donc ça à la limite c'est pas trop grave. Mais encore une fois de plus, 7 mois de travail pour ça, non, j'accepte pas. J'accepte pas du tout, moi je suis contre, beaucoup de gens sont contre. C'est clairement du pisser dans la colle. Donc on se balade. Là-bas, un petit scab. Voilà. Donc là, je crois... Bah lui, il courait, il n'avait pas d'arme. J'ai activé, je crois, une armée... de scave. Tu voyez un peu tout ce que j'ai mis? Vous avez tout ce que j'ai mis ou pas dans le corps? Là j'ai dû en mettre au moins, bah j'ai mis au moins 3 ou 4 balles. Donc là un coup de lag, je suis passé à 0 FPS. En fait c'est là je suis chanceux parce que je les ai mis en facile pour jouer tranquille et pour qu'il y ait un peu de mouvement dans le jeu. Mais dans la version classique, normale, les scavs one-shot tous les joueurs. C'est clairement ça. Les scavs one-shot tous les joueurs. Sans pitié, hein. Il n'y a aucune pitié. Ça one-shot, ça y va à gogo. Donc, je ferai, je pense, une vidéo derrière, encore une même vidéo en online pour vous montrer la différence. Mais ça, c'est clairement... Là, en fait, on se croirait dans la 0-11. Clairement, c'est n'importe quoi. Donc je sais que je vais paraître un peu barbant, vous allez dire ouais il se répète, mais on a payé ce jeu en fait. Donc certes c'est une bêta, ça tout le monde va me le dire, mais c'est pas une raison pour ne pas avancer. Là on se croirait clairement sur du Star Citizen quoi, ça n'avance jamais. Et encore, Star Citizen ça avance un peu. Tac, tac, on va remettre un peu de balles. Donc non, c'est pas un texte préparé là, c'est vraiment, je suis à vif, hein, je parle à vif, il n'y a aucun souci. On va continuer à explorer cette petite map qui m'a l'air d'être quand même sympathique. On va voir. Des chargeurs, ça à mon avis, les munitions, on en a besoin. Ils m'ont touché ou pas? Non, bah, ils m'ont un peu touché. Allez, donc, on va continuer un petit peu, on va essayer de voir les sous-sols. J'aimerais bien voir ce fameux train là, tout le monde me dit que c'est super ce train, c'est bien fait. Donc on va essayer de voir ce que ça en est. Tac, des petits hangars, ouais bon là c'est du classique. On va
On va monter là-haut, voir s'il n'y a pas des armes statiques. Des tentes qu'on peut retrouver un peu partout. Principalement sur Interchange, des petites tranchées. Ok, des petits campements. Ouais, c'est sympa. C'est des petits détails qu'ils ont mis. C'est cool. On cherche plus principalement des soins. On cherche. On va plutôt. De trouver une arme statique, je sais qu'il y en a plusieurs. Alors, la petite alors du toit. Une boule là-haut qu'on retrouve sur Shoreline. Un gros hélicoptère que j'avais déjà aperçu dans les autres versions. Des cibles. Une caisse d'armes. C'est bien, ça pourra me permettre de découvrir un peu certains objets que j'ai pas encore eu. Bon, je les prends pas, merde, je discarde. Je les prends pas, hein, c'est du offline donc. C'est inutile. C'est inutile. Alors, on va continuer, on va essayer de faire rapidement. On va pas non plus faire durer 20 ans la vidéo. Un petit peu quand même. Donc, il y a des caisses d'armes, hein, on peut voir ça. J'ai vu que c'était une map pas mal, une map aussi où il fallait explorer avec des clés. Vous avez même là, je suis à 37 FPS, hein, même en offline finalement, vous voyez. Je suis à 37 FPS, donc bon. Et j'ai un très bon PC et une fibre optique à 500. Je sais trouver les escaliers pour descendre de là. Un hangar, pas mal. Ça va être prisé des campeurs ici, je le sens bien. Wow, nice! Carte graphique. Donc à mon avis, ouais, c'est sympa parce que ça va être une sorte de un mix entre un Interchange et un The Lab avec les textures d'un Shoreline et d'un Custom. Donc en fait, c'est une combinaison de plusieurs choses. Ça m'a l'air d'être assez grand. Là, j'ai une map là sur ma droite qui est pas finie mais qui est quand même bien avancée. Ça m'a l'air d'être pas mal grand. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc il y a ici, d'accord, donc cet hangar là, ça sera là où il y a des trucs informatiques un peu à looter, etc. Du coup, j'aimerais bien sortir de là. Des tentes, encore des tentes. Donc là, ils ont mis un gymnase, donc ça c'était un endroit à mon avis pour mettre les gens qui étaient rescapés de Tarkov. On va essayer de retourner voir. Du côté de l'hélicoptère, voilà. Le loulou-copter. Ok, bon. Ah, d'accord, donc les buissons stoppent les accélérations, d'accord. C'est gigantesque cet hélicoptère-là. Gigantesque. Ouais, je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants à looter, hein. J'espère. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Bon, le piloter, ça, on peut toujours rêver. Je dois passer à côté et tu as les trucs là, non? On peut pas prendre ça, y'a rien du tout. Ah, une caisse d'armes. Bon, et plus par curiosité. Juste par curiosité. Excusez-moi, c'est mon chien qui fait le con. Voilà, waouh! Merde! Putain! Ça. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas, comme d'habitude, de toute façon c'est. Donc là j'ai mis en mode normal, hein, mais en mode. Enfin, en mode facile. Hein. Aucune idée, bon allez, on se casse. On va aller faire un tour là-bas. Donc. Allez, continue à tirer. On va aller dans les souterrains. On m'a dit que du bien des souterrains, on va voir si j'y arrive déjà à y accéder. N'hésitez pas à passer la vidéo, hein, parce que là ça va prendre beaucoup de temps. Les chiottes. C'est vraiment de la découverte totale, les toilettes. Bon, je suis déjà passé là. Une salle de gym. Ah, on peut. Ça va être clairement une map pour faire ses courses aussi. Hein.
Ah voilà. Là, on va accéder directement au sous-sol. Faut que je regarde le temps aussi, parce que... Ouais, je peux pas, de toute façon, je suis en offline, je m'en fous. Allez, on va descendre au plus bas, dans les... Ok. Donc là, forcément, on est en sous-sol, j'ai gagné un petit peu plus d'FPS, mais ça lag toujours, hein. Il n'y a aucune fluidité. Ah, je vais être un vrai cancer pour cette version de 0.12 là. Je suis déçu en fait. C'est pas de mauvais, comme je disais dans les commentaires. C'est vraiment pas une mauvaise foi que je fais, mais je suis déçu. Je m'attendais à un truc de malade parce que la 0.12, 7 mois d'attente, et ils nous pondent ça. Y a rien les gars, vous avez pas taffé. C'est quoi tous ces mythos là? Vous avez fait des nuits blanches pendant je sais pas combien de semaines, de mois. Vous avez clairement rien branlé en fait. Donc là, ça va, là c'est original, bien sûr, là ils ont tout remonté. On est dans une sorte de grosse cuve. Là, faut venir avec un gros sac. Hein. Clairement, vous venez avec un gros sac. Il y a moyen de vous faire plaisir. On continue là-bas. C'est sympa. Je découvre en même temps. Hein. C'est vraiment du. J'avais fait une fois en online, mais on a survécu 5 minutes à cause des FPS. Et bien sûr, des scavs invisibles. Etc. etc. Donc là, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre sortie extérieure. À moins que je me sois trompé quelque part. Si, voilà. Non, il n'y a rien. J'aurais dû prévoir aussi une lampe. Là, j'ai pas de lampe. Là, j'ai rien prévu. En face, il n'y a pas un truc. Du tout là, on va ouvrir ici. J'ai l'impression qu'on revient un peu sur nos pas. Ouais, c'est sympa l'effet lumière, vous voyez, avec les ombres et tout. Voilà, encore là, j'ai dû baisser à mort les graphismes. C'est vraiment très joli, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Par contre, vraiment optimiser là vite quoi. Miser la vite, donc là une grosse porte. C'est là que je viens, donc on va essayer de remonter voir. Une sorte de gros hublot, hein. Ça monte super haut. Je sais pas où est-ce que je vais atterrir. On va voir ça. Ça m'a l'air quand même super complexe. Hein. Est-ce qu'on là on peut pas monter? Ça m'a l'air d'être. Là, à mon avis, il va falloir beaucoup de temps. Déjà que moi, il y a pas mal. Il y a The Lab, tout ça. Bon, je commence à apprendre doucement, mais là. Là, il y a du taf. Donc, du coup, on remonte là. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là. Ah! Ah, ouais, d'accord. Voilà. Donc, je sais pas c'est quoi, c'est une lance-grenade, c'est quoi, c'est une mitrailleuse? D'accord, c'est un lance-grenade qui tire très vite. D'accord. Bah, faut voir où ce que je sais pas où je suis exactement, je sais pas s'il y a vraiment des. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il me prend une arme que j'ai jamais demandé. Je sais pas si il me prend. S'il y a vraiment des passages là. D'accord, donc on peut. C'est de faire péter une grenade sur le mur, ça. D'accord. Bon, bah c'est pas mal, c'est sympa ça. Bon, ça, c'est la nouveauté du. La grande nouveauté. De ce qui était attendu pour la 0.12. C'est agréable, c'est sympa. Donc attends, ce qu'on va faire c'est quand. Donc là on est coup. Ma carte son qui bug, c'est normal, c'est mon chien qui est en train de la grignoter. Lui qui est en train de manger tout mon ordinateur.
Donc, on va redescendre. Je pense qu'on va revenir sur nos pas. On va essayer de voir. On va essayer de passer par là. Voir. Mon chien qui mange ma carte son externe. En fait, c'est ouais, ça ressemble à beaucoup à un mix de toutes les maps qui ont été qui sont existantes actuellement quoi. Moi, je pense qu'on s'est fait un peu baiser sur la marchandise. Hein. The Lab, pour autant The Lab, c'était quand même innovateur. Pour autant cette map. En plus, ils nous la sortent, elle est pas du tout optimisée. Elle pue des pieds. Elle est jolie, hein, ça c'est. Ça, y a aucun souci, ça ils ont fait du bon boulot. Forcément sur des textures qui existent déjà. Mais autant. Je sais pas. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'il est, le train. On va essayer de passer par là-bas, on va aller tout droit. On va essayer d'aller là-bas. Tac, t'es là-bas, là. J'ai essayé de voir le train, j'aimerais bien voir le train pour conclure sur cette vidéo. Il doit y avoir d'autres, je crois qu'il y a d'autres armes statiques, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Est gigantesque cet hélicoptère. Si quelqu'un a le lien RF94572, on va peut-être taper ça sur un. Donc apparemment c'est beaucoup sur cette place là qu'il va y avoir des scavs. Voir s'ils ont pas un truc intéressant, que des tosses de merde. Oh, ça lag. Regardez, 1 FPS. Clairement. Ils veulent pas me laisser. Donc allez, on va partir de cette direction là. Sur la table basse maintenant. Alors, donc là on est sur un terrain un peu plus vaste, un peu plus. Voilà, y a des rails, donc je pense qu'il doit y avoir le train qui doit pas tarder. Je sais pas comment ça se passe. Donc là-bas on retrouve les tourelles qu'on peut voir sur Shoreline, des petits camps faits à l'arrache. On va suivre les rails, on va aller faire un tour. Après, je crois qu'il y a toute une partie. Ouais, après, on aura fait à peu près le tour. Là, je vois la map à peu près. Là, on a fait quasiment le tour. Glow, il y aurait resté encore une partie au fond. Comprenez pourquoi je peux pas faire de live. Ça tourne tout le temps chez moi. C'est impossible de se focaliser. Donc là-bas, tac. Ah, le train est là. Le fameux train est là. On regarde avec des bâtiments qui sont encore là-bas. Ouais, c'est vraiment. C'est une zone en fait, ouais. Il y aura une zone sniper, une zone corps à corps avec les bâtiments. Corps à corps aussi dans les souterrains. Puis il y a ce fameux train là. Qui bouge. Normalement, qui bouge. Hein. C'est une extraction, ce que j'ai vu comprendre. Alors je sais pas du tout s'il s'active manuellement. J'ai aucune idée. Donc j'ai aussi pu comprendre que les scavs n'étaient pas totalement incorporés dans le jeu, dans le cette map pardon. Il faudrait être ajouté plus tard. Donc là je suis à 27 FPS. Hein. Autant d'escaves, on va fouiller. Il doit y avoir plein de trucs à. C'est quoi ces grosses caisses là? Oh, c'est des grosses. D'accord. Gros conteneur quoi. Là je suis à 20 FPS. Voilà, l'escave est là, on va juste le faire, comme ça on n'en parle plus.
Si on arrive à se le faire. 10 FPS quand je tire. 10 FPS. Hein. Imaginez avec quand dans 2 semaines, quand tout le monde aura des M4 full modé, etc. Ça va être du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Putain, c'est hallucinant. C'est dommage parce que là, franchement, il y a de quoi exploiter. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter sur cette map. Encore des scaphs que j'entends. Des bêtises, ce chien. Je pensais pas faire beaucoup de tuer debout. Discute entre eux. C'est quoi? C'est un deuxième train? D'accord, un deuxième train. Ils doivent être là-dedans là. En fait, ils doivent être là. Des pneus. Ah, c'est là qu'en fait, ouais, c'est carrément des bugs de son. Il y a carrément des bugs de son. Il y a des gros bugs de son, ils sont... il n'y a aucun scav. Bon, bah, ce petit train, ok. Donc là, on va arriver au bout de map. Un petit hangar qui est ici. On a vu d'ailleurs des trucs sympas. Des caisses, toujours des caisses. Là, non, c'est même pas lootable. Alors, je pense que si on va là, il doit y avoir quoi, un parking géant. D'accord. Ah, très complexe. Je me soigne l'estomac, je me soigne la jambe. Je vais juste faire un petit tour là. Eh les mecs, ils sont chauds. Je leur tire 10 000 balles, ils crèvent pas. À moins que ce soit des scaf boss. Je peux avoir 2 balles, moi. Je peux avoir 2 balles. Laissez-moi explorer! Pour faire copain-copain avec l'escave. En plus, je vois rien, il fait nu. Comment ça, j'ai plus de balles, je viens de le recharger! Allez vite! S'ils arrivent à m'avoir avec le fusil à pompe de là, ils sont capables, tu me diras. Allez vite! Ça sert à rien, ça, je suis en offline. Bon, ici, dans les ans souterrains, en fait, c'est vachement. La map est petite, mais il y a plusieurs étages et c'est vachement grand en fait, c'est vachement sympa. Je me dis pas qu'on peut ouvrir les portes qui sont ici. Non, ce serait abusé. Ce serait vraiment très très con. Allez, on va essayer d'apprendre. Ouais, en fait, c'est une sorte de là. C'est là où ils travaillent secrètement sur les. Sur les. Putain. Moi, niqué ce bâtard. Fracture, non.
Donc en bas il y a beaucoup de caves, ok, donc là c'est bien, j'arrive déjà à peu près à me repérer. J'arrive déjà à peu près à me repérer. Donc c'est pas trop mal. Attendez, je vais prendre le chien. Ah! Dépêche-toi! Le chien. Plus de balles, encore une fois. T'avais combien de scav? Ils en ont mis combien? Pourtant j'ai mis. C'est bon. Donc là ils m'ont tué clairement la jambe. J'ai même pas pris de painkiller et je pense pas qu'ils en aient. On va voir ça. On va voir ça et puis si on va conclure sur ça, sur cette aparté rapide de réserve, pardon, j'ai oublié le nom. Donc j'ai pas bien sûr peaufiné à 100%, mais bien sûr il y aura des vidéos qui vont parler. On fera des vidéos montage, etc. On va reprendre comme avant. Tac, on va reprendre ça. C'est vraiment des scaves, qu'avec des pompes et des tosses, quoi. Il y a vraiment. Voilà, il n'y a rien d'autre. Les mecs, ils ont pas de. Ils ont des sucreries. Ah, painkiller. On va pouvoir continuer un petit peu la vidéo! Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc, alors, on va continuer un petit peu ici. Du coup, je pensais qu'on allait arrêter là. Mais non, on a un petit sursis. Donc là, on a ici pareil. Ça, je sais pas. Il y a des trucs intéressants à voir. On a là-dedans. Mais j'ai envie, c'est. On va avoir besoin de clés. Donc là, à mon avis, c'est une impasse. À moins que ça puisse s'ouvrir, ce serait vraiment une animation. Toi, t'es en train de me. Une animation assez grande. Non, on peut pas. Donc, il nous reste. J'ai fait à peu près le tour. J'ai dû faire peut-être les trois quarts de la map. Une exploration rapide pour pas faire trop long, durer sur la longueur. Donc, ce que j'en pense. Donc c'est du recyclé, clairement. Maintenant, je cache plus mes mots. Ceux qui disent le contraire, bah, vous avez jamais joué sur cette map. Ouais, on a bien qu'à avoir. Elle est pas optimisée, c'est du Shoreline de 2.0. Elle est jolie, sinon les effets de lumière, c'est vrai, les couloirs, machin, tout le travail en soi est quand même bien fait. Hein, on va pas être que négatif. Ça, il n'y a rien à dire sur ça, il n'y a aucun souci même. Par contre, optimisez-la très vite. Parce que déjà que votre communauté, la communauté d'Escape, vous avez pu voir à la 0.11, à la fin, il ne restait plus personne. Même les grands streamers étaient obligés de jouer sur d'autres jeux. Parce qu'il n'y avait plus personne. Hein? Regardez le train, on a la chance. Il arrive en gare. Les gros. Donc en fait, là, clairement, s'ils font rien de. S'ils font pas une 0.13, genre dans un mois ou deux mois, je peux vous garantir que c'est la fin d'Escape. Ah bah je peux m'extraire ici? Non, même pas. Wait for the train to depart. Oh d'accord, donc en fait il faut se mettre dans le train et c'est une extraction qui se fera directement. Donc on va faire un petit tour dans le train bien sûr. À ce qui paraît, il reste à peu près 5 minutes avant de repartir, donc pas trop mal. Vous pouvez retrouver des caisses d'armes, etc. apparemment. Je découvre, hein, c'est pas une vidéo explicative. Donc oui, donc pour en venir à ce que je disais, regardez-moi ça, je suis à 10 FPS, est-ce que c'est normal? Clairement, s'il n'y a pas de mise à jour dans un mois ou deux mois grand maximum, c'est la fin. Tarkov, c'est fini, on n'en parle plus. La communauté va se diviser en 1000 et puis basta quoi, c'est tout. C'est clairement tout. On va aller voir si on peut y aller là-bas. Donc là, je suis au bout. Il y a la partie gauche que j'ai pas faite, là-bas aussi. On va reprendre un. Je pense pas qu'on puisse y aller, ce serait à moins que ce soit une extraction. D'accord, on peut y aller. On peut carrément sortir de la map, c'est cool. Il va y avoir des trucs qui délimitent, je pense quand même. Donc là, c'est un grand terrain vaste. Oula!
Ça doit être, à mon avis, fait exprès. Ça doit être des tirs automatiques qui sortent une sorte de délimitation de zone. Je pense, hein, je suis pas sûr. Mais ça doit être forcément ça. On va voir le nom. Si ça charge, je suis à 0 FPS. Hein. Normalement, vous voyez que la caméra, bon, la qualité, il n'y a qu'un écran noir, mais. Donc, alors on en est où là? J'ai même mon logiciel qui a bugué. C'est abusé quoi. Le jeu a bugué, ça a fait bugger mon logiciel. Ça y est. Donc, killer, on sait pas par qui. J'ai tué 12 scav. Alors, 32 tirs, fatality 13, scav kill 13, headshot 3. 13, ouais, ça c'est normal. Donc, tout ça pour dire donc, que. Alors, les points négatifs, donc c'est du recyclé, il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau, la moitié en tout cas. Ça lag à mort, ça lag vraiment à mort, ça c'est pas du tout représentatif du 0.12. C'est grand, c'est sympa, c'est joli, il y a plein de choses à explorer dans cette nouvelle map. Mais clairement, c'est pas assez. Là, je reviens sur la 0.12, c'est pas assez. 7 mois d'attente pour ça. Non, ils se foutent de notre gueule. Clairement, voilà, dites-nous tout dans les commentaires. Je vais vous laisser sur ces dires. Moi, je suis très déçu de cette version. C'est scav aussi. Il faut nerf les scav. Ils sont trop puissants. Ça sert à rien de mettre des scav qui sont censés être des civils qui sont amoureux de leur patrie dans cette ville de Tarkov. Qui sont overcheatés, qui tirent une balle et qui peut tuer n'importe qui avec n'importe quel casque. C'est overcheaté, c'est n'importe quoi. Il faut vite nerf ça. C'est pas des raiders, c'est des scavs, c'est des gitans tout pétés. Ils sont claqués au sol. Allez, on se dit à une prochaine. Abonnez-vous, pouce bleu, partagez. Banzai!